C'est une technologie de pointe qui vous libère de toute attache. Oculus Quest. C'est une configuration de réalité virtuelle sans fil qui nous amène dans la toute nouvelle série de Star Wars VR appelée Vader Immortal. Oculus appartient à Facebook, ce qui prouve que l'entreprise va bien au-delà des mises à jour de statut et qu'elle s'intéresse à une galaxie très, très éloignée. Et Oculus Quest épate les gens. C'est la première fois que vous pouvez vous promener dans un espace de réalité virtuelle et interagir pleinement avec les personnes qui s'y trouvent. La gamme de fonctionnalités du matériel informatique de Facebook qui est en pleine expansion comprend également Portal, un périphérique d'appel vidéo intelligent. C'est un haut-parleur et un écran, mais en utilisant l'intelligence artificielle, vous pouvez suivre l'action ou vous concentrer sur qui vous voulez. Il s'intègre à Facebook Messenger, WhatsApp et les flux de diffusion Facebook, offrant ainsi des fonctionnalités animées par la réalité augmentée. Entre une caméra intelligente et un son intelligent et la possibilité d'ajouter de nouvelles expériences de réalité augmentée aux appels, on se sent vraiment comme si on était avec la personne et on oublie cette impression de distance. Et les effets de caméra sont devenus si populaires que Facebook a maintenant son propre studio de réalité augmentée baptisé Spark. Il permet aux développeurs de créer facilement des effets de réalité augmentée pour Instagram et Facebook. Et comme si cela ne suffisait pas, Facebook a révélé se lancer dans le monde de la séduction. Facebook Dating utilise vos préférences personnelles et vos algorithmes pour vous aider à trouver l'âme sœur. Il comporte également une fonction appelée « coup de cœur secret » dans laquelle vous pouvez répertorier les personnes que vous aimez secrètement et obtenir des réponses uniquement lorsque l'un des membres de la liste vous a également ajouté. Le développeur Sang Hoon Kang, qui a créé sa propre application de rencontre en Corée du Sud, estime que Facebook Dating a un grand potentiel. La chose la plus difficile dans une application de rencontre est d'obtenir des utilisateurs. Facebook a beaucoup d'utilisateurs. Dans la plupart des cas de rencontre, en particulier les femmes, elles craignent de rencontrer des gens qu'elles ne connaissaient pas. Facebook a son concept d'amis. Elles vont voir des amis communs. Cela peut soulager leur anxiété. Mais avec Facebook Dating travaillant pour utiliser des informations personnelles, Kang a déclaré qu'il pourrait être également difficile de respecter le thème de la conférence du PDG Mark Zuckerberg. L'avenir est privé.